Comment tu dates? Ça va? Tu dates? Comment tu m'as trop manqué? C'est Amina? Aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Peut-être qu'il y a un espoir, mais c'est mort. Non. Je vous assure. Non. Je vous assure. 70 000 euros? 70 000 euros. Donc tu me soupçonnes? Je dors pas la nuit, je suis. Tu vois? Il y a toujours deux, trois personnes qui parlent un peu mal, mais bon. Ah bon? Juste. Il attend 3 mois, 4 mois pour te dire ça. Je t'ai appelé pourquoi? Où est-ce que c'est parti en fait? Donc je voudrais bien comprendre d'où ça vient. T'as vu sa bague? Elle brille. Même toi, t'as pas ça, maman? J'ai pas ça parce que j'aime pas ça. Chez toi, ça va? Ta mère, elle va bien? Incroyable qu'ils vont jusqu'à mon 85% pour les clients. Et surtout, je veux savoir si ça a été utile pour mon entreprise. Viens, travaille, travaille. Moi, je peux me permettre de faire ça. À 3h du matin, elle va me lever pour que je fasse du song. Close. Ouais. Ça a même pas commencé. Salio, lolo, salio, tambada lolo, salio, mahamba, say, say, salio. Oui. Ah bon, ça va, Ikoum? Oui, comme ça, là. Ça va, ça te dérange pas? Si, un peu. T'es en train de rendre compte, là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te parler d'un truc urgent, 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 urgent. Ça concerne l'entreprise? Non. À la maison. S'il te plaît, maman. Omar, ça concerne l'entreprise, oui ou non? Non. À la maison. Et en plus, c'est moi, tu souffres comme ça, là? Espèce de pourri gâté que tu es. N'importe quoi, cet enfant. Ouais, allô? Mon gars, ça m'amade. Comment tu vas? Tranquille ou quoi? Ah, on est là, pépère, on est là, hein? Ah, putain, je suis en pause, là. Là, j'en ai marre, j'en peux plus. Je suis en train de boire du café, là. En tout cas, le café, il est grave bon. Je sais pas, il y a quoi dedans, mais il est grave bon, en tout cas. Et toi, c'est comment? Ça dit quoi, les news? Mais non. T'as percé, toi, hein? On est là. Ouais, je suis toujours dans l'entreprise comptée, là. Ouais. Mais je t'ai pas dit. Son fils à la directrice, là. Un jour, lui, là, je vais le baffer. Je te promets, un jour, je vais le baffer. Wesh, mon gars, tu me connais. Je suis quelqu'un de calme et tout, en général. Mais sauf que son fils, il m'énerve. Mais je te promets. Il est autant de fou. Il regarde les gens mal et tout. Il croit qu'en gros, c'est lui le boss, en fait, dans l'entreprise. Non mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, je dis personnellement, c'est sa mère la bosse. Point à la ligne. Lui, il est rien pour moi. Je te promets, un jour, lui, je vais gifler un jour, lui, là. Je te promets.
Oui, toi? Ouais, ça va. Eh, comment ça me fait trop du bien de sortir avec le taf et tout, j'en avais marre. Et moi alors? Déjà que tout à l'heure je dois taffer là, vas-y flemme. C'est moi, ça me fait du bien, frère. T'as vu tout ce qui m'arrive en ce moment? Ton blédard, il va comment? Vas-y lui. Est-ce que je le calcule moi? Le pauvre, il me fait de la peine un peu quand même. Comment ça, il te fait de la peine? T'es sérieuse toi? J'irais bien avec un blédard. Mais Starful là, plus jamais de ta vie tu me dis ça. C'est bon, je rigole. Et Oumar, il va bien? Oui, il est là, je vais le voir tout à l'heure. Comment ça tu vas le voir? Il va venir. Et tu m'as pas dit? Tiens, Maïs. Ouais, merci. T'hésitais à quoi? À la menthe. Je suis au bout de ma vie, là, en ce moment. Comment tu te sens? Pas bien. C'est quoi ta météo intérieure, là? Il pleut, fort même. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh. Tu me fais peur, là? Ah non, mais non. Là, attends, je pose mon thé, là, il s'est passé quoi? Tu sais, j'ai pris une semaine la dernière fois. Ouais. J'ai laissé le comptable et mon fils, comme d'habitude, gérer le truc d'entreprise du GP. Mm-hmm. Et là, je vois mon comptable qui m'appelle et tout. Comme quoi, oui, il faut venir en urgence et tout. Il y a un souci. Je fais OK. OK. J'arrive, il m'explique, mais... Genre, il me manque 70 000 euros dans ma caisse. Attends. Reprends un peu, là. Il te manque 70 000 euros dans ta caisse, c'est ton comptable et ton fils qui gèrent, mais je comprends pas, là. T'as appris ça quand, là, Romain? Il y a à peine 2 semaines. Il y a à peine 2 semaines, et franchement, j'étais à 2 doigts de même venir au bureau pour te voir, parce que je me suis dit, je te vois en consultation, parce que moi, je suis pas bien. D'accord, OK. Bon. 70 000 euros, je sais que c'est pas une somme qui est... Voilà, c'est pas une petite somme. Mais là, ton comptable, il va s'en occuper. Logiquement, mais comment tu veux qu'il s'en occupe? Mais il va s'en occuper, c'est son travail. Mais justement, si c'était son travail, ça serait pas sorti. Oui, mais justement, là, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que de revoir tous les comptes, peut-être qu'il y a même un... Peut-être qu'il manque pas 70 000 euros, finalement. Ah, en tout cas, que Allah t'entende, parce que là où je suis, là, 70 000 euros. Eh, j'ai déjà entamé un autre projet. Dans une autre avec toi. Nickel. Eh, hey, vas-y. Kumba, t'es une femme forte. Non. Ces épreuves-là, elles sont arrivées, elles sont pas arrivées par hasard. Si t'as perdu 70 000 euros, c'est que t'as déjà réussi à gagner 70 000 euros dans ta vie. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai, mais attends. Je sais que c'est pas le moment de le dire, mais moi, en tout cas, le projet dont tu m'as parlé, je m'en occupe. J'ai déjà trouvé la salle, je m'occupe du défilé, il y a le couturier, il y a les mannequins. Ouais. Ce côté-là, ne t'occupe même pas de ça. On va vraiment aller étape par étape. Okay. Les 70 000 euros, tu vas les retrouver, mais très 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 vite, en tout cas, on va comprendre comment ça se fait qu'ils sont sortis. 70 000 euros, ton fils, il est au courant de ça? Ce petit con, il était là-bas quand ça s'est passé. D'accord. Donc, tu m'as utilisé pour venir ici? Mais non, wesh. D'accord. Donc, c'est comme ça maintenant, les plans entre copines? Mais non, dis pas ça, toi aussi. Il arrive dans combien de temps? Il va pas tarder, là, je pense. Ah ouais? Ouais. C'est pas lui? Ouais, c'est lui, là. Ouh, bel homme. J'aime pas utiliser ça, toi. Commence pas. Tout à l'heure, t'as tu as compo. J'étais avec Geneva. Pour ça, j'ai pas regardé. C'est toi, Geneva? Ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, toi? Tranquille. Elle a beaucoup parlé de toi. Hein. Ah ouais? Je dis ça, je dis rien. J'ai beaucoup entendu te parler de toi. C'est pas vrai. Bon, non, je dois aller travailler. Ah bon? Vas-y, bisous. Oh, profite bien. On va partir même. Hey. Ma chérie, on y va? C'est bon? Oui, ça va, toi. C'est toi, tu vois là. Il était là-bas. Quand je pars en vacances, à chaque fois, je lui dis. Je lui dis toujours, fais attention, soit mes oreilles, soit mes yeux, quand je ne suis pas là. D'accord. Il passe sa vie à pavaner, aller en week-end, à rentrer un lundi au lieu de rentrer dimanche soir pour être là le matin. Tu veux que je fasse quoi? Non, ça, c'est, on va régler ça après. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que le comptable, il est dessus. Moi, aujourd'hui, je suis ton amie, je sais que tu es une femme forte. J'ai toujours vu te remonter dans les galères. C'est pas la première fois que tu as des galères, Kumba. Oui, c'est pas la première fois, mais je te jure, quand tu arrives à ce niveau-là financièrement et que tu perds autant d'argent comme ça. Je comprends. Et tu sais même pas pourquoi, ça fait trop mal. Je comprends. Ça fait trop mal. Je comprends. Mais la solution, elle est là ou pas? C'est pour ça que je t'ai appelé. On va la trouver. Tu vas me la donner? Non, on va la trouver. Tu vas la trouver. On va la trouver ensemble. Je suis perdue. On va la trouver ensemble. On va la trouver ensemble. Je m'attendais à tout sauf ça quand même. J'avoue, je m'attendais à tout sauf ça. Mais comme je te dis, ce que je retiens, le positif, c'est que le comptable, il est là-dessus.
Et il va forcément... Le comptable, personnellement, je le fais confiance parce que ça fait plus de 10 ans quand même que je travaille avec. Mais... Moi, je pars du principe que si c'est sorti pendant qu'ils étaient là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Mais il a une idée ou pas de... Aucune idée. On a fait la réunion. Impossible de savoir c'est qui. Mon fils, il accuse tout le monde. Toi, tu le connais. Ouais. Lui, toujours, c'est lui, c'est pas moi. C'est lui, c'est pas moi. Et comme on dit, c'est celui qui dit qui est. Donc, j'espère, je te jure, j'espère du fond du cœur que c'est pas lui. Parce que s'il m'a fait ça, non. Cet enfant, il n'y a pas un truc que j'ai pas fait non, pour non, lui. Non. J'ai tout fait pour lui. Je lui ai tout donné. Alors, s'il a osé me faire ça, non. Mais je me dis, subhanallah, je vais pas qu'est-ce qui te fait penser qu'il aurait pu te faire ça? Je sais pas. Votre série revient après la page pub. Vous êtes africain de la diaspora, du nouveau pour vous. Le site e-commerce www.robé.fr vous invite à découvrir ses produits textiles, bijoux, chaussures, sacs et tout autre accessoire qui vous reconnecte à votre culture. De plus, profitez de notre code de promotion Nawari et bénéficiez d'un service de livraison gratuit. Encore, 74% de nos produits sont livrés sous 8 jours seulement. Alors n'hésitez pas à passer vos commandes sur notre site www.robé.fr, notre numéro de téléphone 33 75 57 61 67 8, notre mail contact@robé.fr. Avec robé.fr, l'Afrique vous suit partout. Vous avez du mal à digérer après les repas, avec des remontées gastriques et le ventre gonflé? Le Mogest est fait pour vous. Un ventre plat et un confort digestif assuré. Disponible en pharmacie. Fulbenkem, la force par la nature. 70 000 euros, là, c'est pas ça qui va faire que tu vas mélanger toute ta famille. Ton fils et toi, la relation que vous avez, là, c'est une relation comment? Mon fils? Oui. Mais mon fils, c'est toute ma vie, tu le sais très bien. Même si de l'extérieur, je n'extériorise pas, mais cet enfant, c'est toute ma vie. C'est le seul enfant que j'ai eu. Et je lui ai tout donné. Okay. Même l'entreprise là que je te parle, là où j'ai perdu 70 000 euros, pour moi, c'est lui qui va prendre le relais. Parce que je ne peux pas tout gérer. Non, mais du coup, ça ne peut pas être lui. Alors, c'est pour ça que quand tu es parti sur ça, je me dis, mais il y a une incompréhension. C'est important que toi et moi, on commence à se voir en off, pas dans le cadre privé. Parce que là, c'est vrai que je suis venue à domicile. Je suis contente d'ailleurs, monter, là, en train de refroidir. Là. Tu vois, je suis venue là vraiment pour te remonter le moral. Parce que sache que je serai toujours là pour toi. Et comme je le disais, le défilé, tout est réglé. Et je tiens à te le dire, vraiment, tu peux compter sur moi de ce côté-là. Dors tranquille. Là, tu m'enlèves un poids déjà, franchement, tu peux pas savoir. Alhamdoulilah. C'est ça la famille ou pas? 70 000 euros, là. Ma sœur, je sais que c'est lourd. Hein. Mais t'imagines quand même que dans ta vie, tu as réussi à atteindre 70 000 euros? Si tu as réussi à les atteindre, là. C'est vrai. Je sais que c'est pas facile de gérer. Mmh. C'est quand tu sors d'un SMIC, 1 200 euros, tu passes à 70 000 euros, il y a une réalité derrière. Donc il y a pas mal de personnes autour de toi qui veulent cet argent-là. C'est l'objectif, c'est quoi? De comprendre d'où ça vient. Mmh. Dieu merci, t'as su. Mmh. Mmh. N'est-ce pas? Mmh. Alhamdoulilah. Non, franchement, comme tu as dit, le but déjà, c'est que tu me réserves des séances, mais genre des séances vraiment en mode, voilà, j'ai ça là comme ça, là, j'ai envie d'extérioriser, j'ai besoin d'un suivi en fait. D'accord. J'ai besoin d'un suivi, j'ai besoin d'être suivi. Là, mon mindset là, il est au plus bas. Je suis content de l'entendre. Il est au plus bas. Ah ouais, je suis content de l'entendre. Ça, franchement, non. Vraiment pas. Ma soeur dit, non, tu sais. Tu sais, sincèrement, là, tu me demandes dans le cadre professionnel, ça me fait plaisir de l'entendre. Bien ça sûr. Fait un moment que je t'observe et je me dis, hé, Kumba, elle a besoin de parler. Kouma, faut qu'elle lâche en fait. Faut que tu arrêtes de garder à l'intérieur de toi et de penser que c'est normal de souffrir comme ça. Tu vois? Donc je suis contente. Moi, en tout cas, sache qu'au niveau du paiement, on va s'arranger. Nadia. Commence pas. Il n'y a pas à faire d'arranger. Comme tu as dit là, si j'ai perdu 70 000 euros, c'est que je les ai eus. Donc c'est pas. J'ai dit, au niveau du paiement, on va s'arranger. Tu as perdu 70 000 euros. Moi, mon heure là, ça sera combien? 60 000 euros par heure. Tu peux? Hey. Laisse-moi tranquille. Donc, si j'ai envie de faire gratuit ou pas, je sais comment je dois faire. T'es mon ami, t'es une sœur pour moi. Oui, mais non, là, je t'arrête tout de suite. Ça, déjà, faut que vous arrêtez avec ça. Quand on ouvre une entreprise, il y a l'amitié et puis il y a le business. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Ouais. Et ça, je te l'ai toujours dit en plus. D'accord. Je suis pas d'accord. D'accord. Quand tu me dis, Kumba, envoie-moi un GP, le GP, je peux te l'envoyer une fois, deux fois, trois fois. Trois tous les mois, tu vas venir, envoie-moi un GP gratos. Ah, moi, je comptais vers ça. T'es ma sœur, je t'aime de tout mon cœur. Eh, non, doucement. Toi aussi, là, pour toi, tout mélanger. Non, non, madame. Non, 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 ok. Non. Non, d'accord. Je viens en consulte, je te paye.
Il comme si j'étais, voilà. Je te taquine un peu parce que j'ai besoin de te voir sourire. Mais moi-même, je suis d'accord avec toi, toi-même. C'est très bien, ce sujet-là, ça mérite de ouf. Non, je sais très bien, je te taquine. Ce mérite. Parce que les gens, non, ils jouent trop sur ça. Non, oui, mais... c'est ma copine, c'est mon pote, donc je vais pas payer. Oh. Sinon, on se soutient pas entre nous. Qui va nous soutenir? C'est clair. Sincèrement. Toi, tu veux ton truc, moi, je te soutiens pas. Non, mais ça moi, va. Je veux, tu me soutiens c'est... pas. Tu sais que dans ma tête, là, je suis en train de me dire. Arrêtez. Honnêtement, là, le projet là, qu'on a mis en place là, par rapport au défilé, je vais tellement mettre mon âme dedans. Je vais tellement mettre tout mon cœur. Pour moi, c'est mon défilé, c'est mon projet. Là, tu me parles de 70 000 euros. J'essaie d'avoir cette posture professionnelle et de me dire, bon, je ne vais pas trop montrer mes émotions. Ouais. Je sais que c'est quelque chose qui est lourd, mais j'en suis convaincue. Comme tu sais qu'il faut toujours s'appuyer sur les choses positives. Exactement. Papa? Mina, t'étais où? Mais j'étais là, je suis à la maison. Ah, d'accord, ok. T'étais dans la cuisine? Non, même pas, j'étais dans ma chambre. Ah, ça bouge, c'est bien, c'est bien. Ouais. Issa, il est où, Issa? Mais je crois qu'il est dans la cuisine, là. Ah, lui, il est dans le frigo tout le temps. Tu connais, hein? Il travaille même pas. C'est ça le problème. T'as oublié quelque chose? J'ai oublié quelque chose? Ouais. De quoi? Ta mère n'est pas là? J'ai mon diplôme, là. Ah, ayo, alhamdoulilah. Et t'as dit, t'allais me donner un cadeau? D'accord, il n'y a pas de problème. Bah, il y a l'iPhone 13 qui est sorti. Hein. iPhone quoi? 13. 13. Ça, il n'y a pas de problème. Il a combien, Armand? 1600. Ah! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 1000 combien? 1600. 1600? Oui, le 13 Pro Max. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toutes les villages, ils vont nourrir avec 1300. 1000 euros qui met où tu es? Amina? Bah, on est en France, hein. Amina, qu'est-ce que tu as dit? Mets quelqu'un. Hein? Yo, quel est votre problème? Yo, on a 6 000 à quelqu'un, mais finalement, 1300, 1400, quel problème? Franchement, je suis épuisée. Pourquoi? Parce que à l'entreprise, franchement, les choses ne se passent pas super bien en ce moment. Je comprends. Tu sais que chaque chose a son temps. Hein. Oui, je sais. D'ailleurs, toi, de ton côté, c'est comment? Ouais, ça va. Hein. Dans le 77e, ça va. Bon, ça se passe bien, j'aime bien. À Paris, ça va, alhamdoulilah. Ouais. Donc, je ne me plains pas. Hein. Ben, c'est celui de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Donc, ils sont en train d'envisager pour faire un déplacement vers là-bas. Ouais. Mais on m'a dit que ça va, ça va. Bon. Mais là, toi-même, tu envisages un déplacement ou pas sur place? Oh, parce oui, que c'est bien oui. Beau de comment dire, de déléguer, mais il faut que... Moi, je pourrais pas de toute façon, mais il faut que toi, tu arrives à partir sur oui, place. Oui, oui, moi-même, je vais faire un tour là-bas parce que sans moi-même, c'est compliqué, tu vois. Plus qu'il y a un doute. Yo, nous... Donc, on a semé quelque chose. Maintenant, on va voir. On dit que c'est semé là. Parce que 1600, au coup de mes clés, au début, 1600 euros sous Brésil. Avec 1000 euros, alors t'as plus le budget. Il y aura quelque chose qu'on aura là, Inch'Allah. Quel est le problème? Amar, tu gagnes combien? Ouais. Yo, Amar, qui est en train de faire un gamin? Anya, comment? Anya, tu es en train de faire un gamin? Tu m'as lancé non? Anya, faut se moula. Anya, chalé dans le chouïga. J'ai vu que tu seras heureuse, contente, mais pas voilà, tu vois? Voilà, encore merci. Bah, moi, elle voulait que je me marie avec mon cousin.
Uh-huh. J'ai dit que je voulais pas, j'avais pas envie. Uh-huh. Elle a forcé en fait. Oh, ta mère. Elle avec son ancien tas là, elle l'oublie pas. Mais voilà, il faut réfléchir. Voilà, mais faut j'ai pas... réfléchi déjà moi. T'as réfléchi déjà? Oui. Ça fait longtemps là, j'ai déjà réfléchi, je veux pas, je veux vraiment pas. Donc ça fait longtemps que ta mère elle est dans les histoires quoi? Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon. Bah moi je pensais que tu étais au courant. Je sais pas au courant, ta mère elle m'a pas dit. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, tout ça. On verra, on va voir ça ensemble. Voilà, avec ton iPhone, tout ça là, on va réfléchir. C'est pas ça? Ouais. Alors bon, on verra bien. Je compte sur toi. Hein. Ouais. Voilà, mais iPhone 13. Oh ma fille. Donc, avec... je pense que les choses vont aller en ordre. Tu comprends ce que je veux dire? J'espère. En tout cas, il ne faut pas que ça soit comme moi. Ah non, moi, là, c'est une cata en ce moment. Non, t'inquiète. Tu sais, la vie c'est comme ça, hein. Souvent on peut pas, tout peut pas être parfait sur le champ. Oui, je sais, mais tu imagines si ça va pas, là-bas aussi ça va pas. Mais c'est comme ça, il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Donc ça nous maintenant du mène de l'ordre. Tu vois, il faut qu'on soit fort, tu vois. Et ton côté, ça va là-bas? J'essaie de gérer, hein. Franchement, c'est pas évident, mais on n'a pas le choix. Tu sais que j'ai confiance à toi. Oui, tu arrives à gérer n'importe quel moment, n'importe quelle situation, tu gères. Ne t'inquiète pas. Sans stress, ok? Merci. Merci, heureusement que tu es là. Là, on fait comment? Tu as mon cœur. Merci. Toi aussi. Prends soin de toi. Par contre, et mon fils? Ah, bah, il est sorti, hein. Ton fils, il dit il va au week-end. Franchement, depuis là, j'attends son retour, il vient pas. Ouais. Je sais même pas ce qu'il fout. Ah. On est fatigué, cet enfant, franchement. Non! C'est bien. C'est mon fils. Il doit vivre. Il doit vivre, mais il vit doucement en fait. Ah, il ne peut pas vivre. La vie, c'est une fois. Comme s'il ne connaissait personne, c'est pas comme ça la vie. Ah, il vit tranquillement. Ah, mais bon, il est jeune, hein. Qu'est-ce que tu veux? On fait de nos mieux. Tu fasses vite, hein, par contre, là, parce que là, je suis un peu pressé. Ok. Anime le voix du vocal. Le réseau n'était pas bon, j'étais en Guinée. Je suis un peu de son avis. Frère. Mais vous n'allez pas me forcer à me marier avec lui? Si tu décides ainsi, bah... Salio, Lolo, Salio.